est là, ici, devant le stand Bevette pour ce vlog VIP. Je vais vous emmener en loge. En loge, ce derby de feu, Cyclisme Monaco. Vous m'avez envoyé vos pronos sur les différents réseaux, TikTok, Insta et Twitter notamment. En tout cas, dans cette vidéo, je vous emmène un peu partout. Allez, c'est parti. Petit à petit, là ça s'amuse, ça rigole, ça joue derrière moi, Davis Ballon. Merci en tout cas aux nouveaux abonnés, ceux qui ont compris que désormais ce YouTube, les vidéos plus courtes comme ces vlogs VIP, sur Twitch, les directs du midi et les briefs du dimanche. Et vous avez aussi Instagram et TikTok pour me suivre et discuter ensemble, interaction totale sur mes réseaux, vous savez. Alors merci pour la force. C'est la mi-temps les amis, j'ai mis l'écharpe du match de ce derby qui a un peu tristouné hein, cette première période. Deux équipes qui prennent peu de risques, des attaquants qui remisent souvent derrière, au milieu de terrain, ça s'envoie, il y a quand même un peu d'impact, mais il y a peu d'espace, ils prennent peu l'ascendant l'un face à l'autre. On a Camara qui a déjà pris son carton, on a Thuram que je trouve un peu frileux par rapport à d'habitude avec Ramsey, du gelon avec du déchet, pareil côté Nicolas Pépé et Delors. Ils sont pas en super confiance. On voit la Borde quand même, la Borde qui essaye d'amener sa passion, d'amener son énergie, son envie, c'est pas si mal, mais les défenses prennent le dessus, les 3-5-2, c'est un 5-2-3 côté niçois, forcément ça cadenasse sévère. Alors on attend après les sorties sur blessure des changements aussi côté niçois, un peu plus d'allant, peut-être une courte victoire avec un peu de la Borde, ce serait mérité pour les efforts de la Borde, même si pour l'instant il n'y a aucune équipe qui vient mieux que le nul. Hein. Donc rendez-vous à la fin du match, surtout dans le live, vous avez regardé cette vidéo à cette heure-là en replay sur Twitch pour le débrief du dimanche.
pour terminer, ceux qui n'ont pas joué notamment, victoire donc de Monaco 1-0, triste prestation offensive de deux équipes sans prise de risque, ce que je disais tout à l'heure. On s'est un peu ennuyé, Alors, dans les tribunes c'était correct, mais sur le terrain, on sent des équipes pas totalement en confiance, qui n'ont pas trouvé la faille, qui n'ont pas réussi à casser le milieu de terrain et encore moins la défense adverse. Ça a beaucoup joué sur la tête des défenseurs monégasques qui se sont régalés. Il y a des Chim, Dissasi, Camara et Fofana ont été maîtres du milieu, alors que Ramsey, Thuram sorti à la mi-temps, n'ont pas pu exister, n'ont pas pu franchir les lignes. On les sentait amorphes, timorés, peu de capacité à se projeter vers l'avant, à faire le lien avec et trouver du lien avec la borne, avec de l'or qui sont épuisés au fil de la rencontre. Et puis, de la même façon, du coup, la PP, qui n'a jamais eu de vrai 1 contre 1, qui n'a jamais pu prendre de la vitesse. Il va falloir que Nice revoie un petit peu sa façon d'attaquer, de produire du jeu, parce que quand même Ross Barkley aussi qui arrive, il y a normalement des possibilités. Mais là, on s'est retrouvé avec les Niçois bloqués, incapables. Ça jouait à la balle derrière. C'était l'impossibilité de trouver la clé du verrou, alors que ce verrou ne semblait pas si fermé que ça. Donc voilà, en loge, VMET depuis l'Allianz Riviera. J'espère que je vous ai bien emmené avec moi. Vous avez passé un bon moment aussi. Les animations, VMET notamment, en plus du spectacle. Ce petit but d'Embolo pour la victoire. Embolo qui, pour moi, est l'homme du match de cette rencontre. Protection idéale, il est massif. Il a embêté Dante, il a embêté Todibo et il est buteur. Alors, ça a été la clé finalement. Lui, il a trouvé la clé du verrou niçois. On était peu inquiétés aussi, il faut le dire. Il va falloir trouver une alchimie, une cohérence, une cohésion dans cette équipe niçoise très vite. Et Monaco, en attendant, prend quelques points, remonte en milieu de tableau et va pouvoir espérer aussi avec une nouvelle série victorieuse recoller au trio. Pourquoi pas. Voilà, merci les amis, merci les nouveaux abonnés, ceux qui likent, qui partagent, qui commentent. Parce que ça active l'algorithme que vous connaissez. On est sur YouTube. Désormais cette année, des petites vidéos, des vidéos d'actualité, mes avis sur des sujets d'actu en plus court, 5-10 minutes sur YouTube. Et vous savez, le débrief du dimanche, les neige foot, les lives d'après-match de Ligue des Champions sur Twitch et TikTok Live. Voilà, vous savez tout. Prochain vlog VIP, je ne sais pas, où on sera invité, où on sera emmené à aller pour kiffer un match ensemble et une belle ambiance de foot. En tout cas, cette Allianz Riviera, c'est un stade réussi. A très vite, les amis.